Voilà, bonjour à toutes et à tous, à vous qui êtes en ligne et à vous qui avez la chance d'être ici en présentiel. On va suivre aujourd'hui la deuxième conférence de ce cycle de conférences de la filière d'architecture. Donc, je m'appelle Javon Cardona et je suis chargé de communication et promotion pour la filière d'architecture. Et j'ai le plaisir d'introduire ce soir la conférence de Laurent Savio et Claude Fabrizi du bureau valaisan Savio Fabrizi. Bureau qui est établi à Sion et qui compte une quinzaine de collaborateurs. En cette année de jubilé de la HEIAFR, qui fête cette année ses 125 ans d'existence, nous avions à cœur d'accueillir des architectes issus de notre école et dont la notoriété s'est développée ces dernières décennies. Nous avons eu le plaisir d'entendre le bureau Fournier-Macagnan le mois passé et nous continuons sur cette lancée ce soir avec les invités du jour. À titre personnel, je suis particulièrement heureux de les accueillir, car ayant fait mes débuts professionnels en Valais Central, c'est un bureau que j'ai eu l'occasion de voir éclore puis se développer. Et ce sont des personnes que j'ai eu l'occasion aussi de côtoyer à l'occasion de divers événements ou vernissages de concours. Laurent Savio et Claude Fabrizi sont tous nés à Sierre en 1976 et 75. Ils ont suivi le cursus historiquement classique d'un architecte HES, donc un cursus professionnalisant qui fait la réputation et la spécificité des HES, qu'on peut décrire par un CFC, puis 3 ans à l'école d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg. En 1995, ils sont donc tous deux diplômés d'un CFC de dessinateur en bâtiment, formation qu'ils complètent par un diplôme d'architecte HES. Ils fondent en 2004 le bureau Savio Fabrizi, après avoir travaillé durant environ 6 ans chez Dominique Rosset pour Claude Fabrizi et environ 5 ans chez Benard et Veufray pour Laurent Savio. Dès leur début, et vous pourrez vous en rendre compte à travers les exemples présentés ce soir, on sent de leurs interventions, souvent des transformations, un attachement profond au patrimoine valaisan, qu'il soit rural, urbain ou industriel. Ils se positionnent en faveur d'une architecture de caractère, souvent radicale, jamais vulgaire. Une telle audace et une telle ambition sont à relever dans un canton qui entretient parfois un rapport ambigu avec son héritage paysager et architectural. Parmi les réalisations phares du bureau, j'aimerais citer la transformation d'un Mayen du 19e siècle sur les hauteurs de la commune d'Ayen, transformation qui leur a valu d'être lauréat de la distinction romande d'architecture en 2014, la couverture des ruines de Saint-Maurice, pour laquelle ils ont obtenu une médaille d'or au Best Architect 2014. Et citons pour terminer les très nombreux premiers prix gagnés à l'occasion de concours d'architecture, concours qu'ils pratiquent de manière continue et assidue depuis plus de 15 ans. Donc merci d'avoir accepté l'invitation et je vous cède la parole. Alors, bonjour à tous, merci à l'école de nous avoir invités. Effectivement, pour nous, c'est particulier de faire une présentation dans cette école parce que c'est là qu'on a fait notre formation et c'est là qu'on a fait ensemble nos premiers projets. On a intitulé notre conférence Idées uniques et pérennes. Donc, cette formulation vient de d'Yves Dreyer qui a écrit un texte sur notre travail et on trouvait qu'elle correspondait bien à notre manière de fonctionner au niveau du projet. Donc, l'idée, c'est pour nous de définir dès le début du processus, une idée forte qui va guider le projet sur toute sa durée. La particularité, c'est que c'est souvent une idée unique, donc une seule, et puis qu'elle est pérenne. Vraiment, on va suivre cette idée vraiment depuis le projet jusque dans les détails d'exécution, en suivant un peu toutes les échelles comme ça de dessin. Pour illustrer cette idée unique et pérenne, je vous montre un exemple ici qui est une des premières réalisations que nous avons effectuées. Donc, c'est une maison à Chamozon. Donc là, notre idée de base, c'était de dire c'est un bâtiment qui est donc c'était un bâtiment, c'est une transformation, c'est un bâtiment qui était déjà construit en pierre, qui avait une expression minérale très forte. Donc on s'est dit que la minéralité du projet était vraiment l'élément important à mettre en avant. Aussi par rapport au site qui est dominé par cette impressionnante falaise très présente. Et puis on a décidé de dire cette minéralité, c'est vraiment le fil conducteur.
On a des éléments qui étaient anciennement bois sur les façades pignon. On les a transformés, on a fait ça en béton. L'intérieur est aussi complètement minéralisé avec une construction en béton. Même l'isolation est un béton isolant. Et puis tous les éléments un peu secondaires, comme les toitures, comme les fenêtres, ça a été soit traité de manière un peu en retrait ou discrètement, ou de manière abstraite, pour finalement pas faire de l'ombre à cette idée de base qui est de mettre en avant la minéralité du projet. Voilà, on va vous présenter ce soir 6 projets. Donc le premier projet, c'est la couverture des ruines de l'abbaye de Saint-Maurice. Donc c'est un projet que nous avons commencé en 2004. C'était un concours pluridisciplinaire architecte-ingénieur. Et puis c'est une réalisation qui a été faite en 2010. Donc on voit ici le plan de situation. Donc c'est un site assez particulier. On a ici la falaise qui domine Saint-Maurice. Le site qu'on a traité, c'est cette partie en jaune. Et puis on a dans cette partie-là l'abbaye de Saint-Maurice, la basilique et l'abbaye et le clocher qu'on voit ici. Donc c'est un site très contraint. On a encore hein, le tunnel ici de la voie CFF. Donc on est vraiment dans un site très serré comme ça. Et puis le but de ce projet, c'était de protéger ce site archéologique d'une part de l'eau qui pourrait endommager les vestiges et d'autre part des chutes de pierres afin de permettre de rendre ce site visitable par le public. Donc ça, c'est le plan des archéologues. Donc on voit que sur ce site ont été découvertes 7 églises superposées. Donc commençant par un premier bâtiment en violet qu'on voit ici au centre qui doit dater de 350, je crois. Et puis ensuite, successivement, les églises se sont construites toujours plus grandes. On voit les différents chœurs avec les différentes couleurs qui représentent les différentes étapes. Donc en fait, on voit que Ces successions d'églises ont été probablement construites suite à des agrandissements, mais aussi probablement à cause de chutes de pierres. Et puis, c'est un peu le concept qu'on a eu dès le départ, c'est de dire, depuis 515 que l'abbaye est située ici, on sait qu'il y a eu énormément de chutes de pierres et que ces chutes de pierres ont détruit les églises. On connaît bien les événements plus récents, comme en 1611, où une chute de pierre détruit complètement l'église et les chanoines décident de la reconstruire dans sa position actuelle, c'est-à-dire perpendiculaire au rocher. Il y a encore en 1942 une chute de pierre qui détruit le clocher, une partie de la nef. En fait, on pense que ces chutes de pierre ont vraiment été une constante dans l'histoire du site et que c'est vraiment ces chutes de pierre qui ont en quelque sorte façonné cet endroit. Donc en fait, on propose avec notre projet de suspendre dans le vide 170 tonnes de pierre pour assurer la protection du site. Donc c'est ce qu'on voit ici dans le dernier schéma où on dit on fait une couverture ici et les pierres, elles restent en dessus. Donc on voit ici le plan de cette couverture. Donc c'est une surface impressionnante, c'est 1300 m² de surface couverte. Donc vraiment contraint entre le rocher, la basilique ici, le clocher et les bâtiments de l'abbaye. Et puis en coupe, donc on voit cette couverture qui est là. Les bâtiments de l'abbaye étaient protégés, donc on n'avait pas la possibilité de venir s'appuyer sur les bâtiments. Donc on a une toiture qui est suspendue au rocher. Et puis on a la zone des vestiges ou accessible au public qui se situe à peu près 15 mètres plus bas ici. Alors ici, on a une axonométrie de la structure. Donc en gros, c'est des poutres en acier qui font à peu près 50 cm de haut, qui sont ancrées au rocher.
Et puis, ouais, y en a 11 comme ça qui sont juxtaposés avec un système d'ancrage au rocher qui regroupe les tyrans par groupe de 4 afin de diminuer le nombre d'ancrage à faire dans le rocher. Voilà, donc on voit ici une vue de cette couverture. Donc on a en partie inférieure des plaques de polystyrène translucide ondulé qui permettent de ramener l'eau de pluie jusque dans ce chéneau qu'on retrouve ici en extrémité. Et puis en dessus, on a ces pierres qui sont posées qui permettent, enfin, on voit ainsi un petit peu en transparence l'effet de lumière que cela donne à l'intérieur. On voit un peu mieux ici. Donc l'idée, c'est vraiment de sentir un peu ce danger permanent qui plane sur site. On a ces ombres de pierre qui finalement donnent une ambiance particulière, qui donne une lumière tamisée et qui donne un petit peu le caractère à ce lieu. Donc on voit ici les ruines archéologiques. Alors en fait, on voit ici en façade, ça c'est la façade intérieure de l'église de 1611 qui a été détruite. Donc en fait, c'est pour ça que cette partie-là est restée en pierre apparente. C'est vraiment c'était la face intérieure de l'église. Une autre vue en direction du clocher. Donc on voit cette lumière qui est aussi très changeante selon la position du soleil. Il faut savoir que, disons, peut-être une petite anecdote, on a comme maître d'ouvrage, on avait la communauté des chanoines de l'abbaye. Donc c'est assez particulier parce qu'on a... Enfin, ils ont une autre façon de vivre et ça nous remet un peu en cause nos certitudes. Par exemple, au niveau du temps et de l'argent, on a des perceptions assez différentes. Notamment au niveau du... Enfin, on avait fait le projet, ça prenait un peu de temps. J'étais un peu pressé à ce que ça se réalise. Et puis un chanoine me dit, ouais, nous, à l'abbaye, on n'est pas pressé, ça fait 1500 ans qu'on est là, et puis on a l'éternité devant nous. Puis aussi au niveau de l'argent, c'est des gens qui n'ont aucun bien personnel, donc ils n'ont pas finalement tellement de notion d'argent quand on parle du projet, puis qu'on parle de quelque chose qui va coûter 1000 francs, 10 000 francs, 100 000 francs, ça ne représente rien pour eux, quoi. C'est assez particulier. Donc voilà ici, on voit le détail de cette couverture qui vient rencontrer le rocher. Donc on a un détail très fin pour vraiment adapter la toiture à la falaise. Alors voilà un détail de cette structure. Donc c'est une structure en acier sur 3 appuis. Donc on a des ancrages sur le rocher et puis 2 tyrans qui viennent se fixer en hauteur dans la falaise. Et puis on voit un petit peu la composition, donc la poutre principale, une structure secondaire, les éléments de plexi ondulé qui sont en face inférieure, et puis la structure les cailloux, si on veut, qui sont posés dessus sur un treillis. On voit un peu mieux dans ce détail. Donc on voit ici la poutre principale, les pierres qui sont posées sur un treillis métallique tendu. Et puis en fait, en cas de chute de pierre, cette masse de pierre, elle se met en mouvement et puis elle permet d'absorber l'énergie cinétique des pierres qui tombent. On voit ici le dessus de la couverture. Donc c'est quand même des pierres qui sont d'assez grande dimension. On voit les mailles du treillis qui sont des mailles de 8 par 10 cm. Et puis, alors, je vous ai parlé de la volonté symbolique de mettre ces pierres, mais en réalité, ça a une fonction statique également, parce qu'en fait, on a une immense surface de toiture très légère. Sans cette charge de pierre, elle pourrait se mettre en mouvement avec le vent. Donc en fait, c'est 170 tonnes de pierre, le poids a été donné par l'ingénieur civil qui nous a demandé de lester cette toiture. Voilà
une vue à l'intérieur du site. Donc ça, c'est des photos qui datent de juste à la fin de la couverture. Actuellement, on a fait un travail aussi de remise en fonction, enfin de mise en valeur du site, muséographie et mise en valeur du site, avec notamment des chemins qui ont été faits. Ça, c'était des chemins provisoires pour vérifier le parcours. Mais maintenant, c'est des éléments en béton préfabriqués qui sont implantés sur ce site avec un remplissage foncé pour essayer de mettre un petit peu plus en valeur la forme des vestiges visibles. Voilà, le projet suivant, c'est la cabane de Tracuy. Donc ça, c'est un projet qu'on a commencé en 2008, je crois, et qu'on a réalisé en 2012-2013. Donc c'est une cabane du club alpin de la section Chaussy qui se situe à 3250 mètres d'altitude, à 4 heures de marche de la première route carrossable. Et puis, alors ça, c'est un peu notre concept où on a ici une coupe sur le territoire, sur le large territoire avec le Val d'Anivier et la vallée de Tourtemagne ici, et puis la cabane qui se situe ici au sommet. Donc en fait, on est vraiment au col de Tracuy sur vraiment cette arête qui définit le passage d'une vallée à l'autre. C'est cette fine ligne qu'on a voulu finalement mettre en évidence. On a voulu positionner la cabane vraiment sur cette arête et puis en longueur pour un peu signaler cette situation particulière. Et on voit ici un peu un zoom où on a finalement la falaise ici, là le terrain qui descend doucement pour arriver au glacier de Tourtemagne, et puis la cabane se situe vraiment sur cette arête. Donc ici, on a un plan de situation. Donc on voit, alors cette ligne grise, c'est la limite de la falaise. Donc on a vraiment positionné ce bâtiment sur la falaise. Il a une forme en longueur pour reconnaître cette position. Et il a une cassure, en fait, pour s'adapter au plus proche de la topographie existante. Ici, on voit l'ancienne cabane qu'on a laissée. On a laissé des vestiges comme ça pour signaler sa présence. Alors ici, on a une coupe sur ce bâtiment avec, on voit ici le côté falaise qui est un peu prolongé par cette face en biais. On a une intervention au sol qui est assez particulière parce qu'on avait pas peu de moyens pour faire du terrassement, donc on s'est vraiment adapté à la topographie. Donc on voit, c'est directement des semelles qui sont bétonnées sur le rocher. Et puis le bâtiment, il s'adapte à la topographie, quoi. On a des espaces de différentes hauteurs pour vraiment profiter au mieux de la place à disposition. Le niveau principal, c'est ce niveau-là où on a le réfectoire. Ici, on a la cuisine. Et puis l'étage supérieur, c'est l'étage qui accueille les dortoirs. Et puis en dessous, on a les locaux techniques. Donc on voit, on verra mieux peut-être sur les photos après, mais on a ici une partie en béton, les semelles en béton, et ensuite c'est tout de la construction en ossature bois. Alors la coupe, un peu plus en direction de l'entrée. Donc là, on voit de nouveau, on a presque un niveau de moins ici, parce qu'on a le terrain qui remonte. On a ici dessous la citerne d'eau, donc on a une citerne de 35 000 litres qui permet de conserver l'eau de fonte du glacier en automne pour l'utiliser durant l'hiver et le printemps. Et puis ici, on a une partie de remblai qui est en fait les pierres du démontage de l'ancienne cabane. Alors ça, c'est les photos de chantier. Donc en fait, construire à cette altitude où finalement tous les éléments doivent être amenés par hélicoptère, ça nécessite une réflexion assez poussée au niveau
des poids à transporter et puis aussi de la vitesse de réalisation. Donc en fait, on s'est rendu compte que le béton était vraiment pas efficace dans une situation comme ça, parce que c'est très lourd à transporter et puis c'est très long à mettre en place. Donc en fait, on a essayé de faire vraiment le strict nécessaire en béton. Donc on a juste ces semelles qu'on a fait volontairement en escalier pour essayer de diminuer la quantité de béton. Il y a quelques éléments qui étaient quand même plus efficaces de faire en béton, comme cette niche qui est un élément qui abrite les bonbonnes de gaz et qui devait être incombustible, donc intéressant de faire en béton. Il y a ces deux murs qui sont des murs de refend parasismique qu'on n'arrivait pas, pour des questions de résistance, à faire en bois. Et puis il y a ce petit élément à l'arrière qui est encore coffré, qui est la citerne d'eau, qui est elle aussi en béton. Après, on voit une petite machine qu'on avait pu monter. En fait, il faut se rendre compte qu'une machine comme ça, qui a l'air bien ridicule quand vous voyez les blocs qu'elle manipule ici, ben c'est le maximum qu'on peut faire. Déjà, cette machine, on a dû prendre l'hélicoptère qui arrivait à soulever la charge la plus lourde de Suisse, à peu près 2500 kg. Mais cette machine, on a dû la démonter en trois parties, transporter les pièces, la reconstruire sur place. Et puis, on voit que c'est vraiment pourtant une toute petite machine. Ensuite, le reste de la structure a été préfabriqué en panneaux de ossature bois. Donc c'était en gros une ossature bois, une isolation intermédiaire et puis un panneau de chaque côté. Donc c'est des modules de 650 kg pour être montés facilement avec des petits hélicoptères. Et puis ensuite, c'est assemblé élément par élément. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc là, on voit l'ancienne cabane qui a été démontée à la fin des travaux. Puis voilà, donc on monte ces éléments un après l'autre. Donc l'avantage, c'est que ça peut être fait extrêmement rapidement. Là, pour faire les trois niveaux de la cabane, on a eu besoin de 9 jours avec 2 hélicoptères qui tournaient simultanément et qui posaient un élément chaque 5 minutes. Ça, c'est la situation du chantier après la pause d'hiver. Donc il faut se rendre compte qu'il y a quand même des conditions assez compliquées vu l'altitude. Déjà, la température moyenne annuelle, elle est en dessous de 0 degré. On a eu plusieurs fois de la neige au mois d'août, juillet et août. Et puis là, c'est la situation, je crois que c'était en mars, où on a finalement de l'accumulation de neige qui est impressionnante. Ici, on a à peu près 7 mètres de neige accumulée. Et puis là, ils étaient en train de creuser pour essayer d'accéder à une porte qui est là derrière. Alors ça, c'est le plan de l'étage principal. Donc on trouve l'entrée à cet endroit-là. Donc l'entrée, elle est positionnée volontairement de ce côté-là parce que c'est l'endroit qui est balayé par le vent et on n'a jamais d'accumulation de neige de ce côté. Donc c'est assez déterminant de bien choisir la position de l'entrée. Ensuite, on a un système de sas avec local à ski, local à chaussures, et ensuite on arrive dans la cage d'escalier principale de laquelle on peut accéder au réfectoire, qui est cet élément-là. Donc on a une capacité de 120 places avec ce réfectoire qui est entièrement ouvert ici, côté sud, en direction du Val de Dzinal. Ici, on a la cuisine professionnelle. Et l'espace du gardien ici, donc chambre du gardien, petit espace de salle de bain, et un escalier qui permet d'accéder au niveau inférieur, notamment pour les livraisons de la cuisine, qu'on va voir après. Ça, c'est l'étage supérieur, donc c'est l'étage des dortoirs. On a une capacité de 116 couchettes, donc il faut voir que c'est extrêmement compact. On a 3 sortes de dortoirs. On a des dortoirs de 4 places ici, donc c'est toujours des lits superposés. Des dortoirs de 12 places et un grand dortoir ici de 24 places. Le niveau inférieur où on a principalement des techniques, donc on a toujours la cage d'escalier principale qui se trouve au centre, les WC, qui sont quelque chose d'assez compliqué techniquement à ces altitudes. Le local de chauffage, la citerne d'eau,
Puis ensuite, différents locaux techniques, local de batterie pour les photovoltaïques. Et puis ici, on a les locaux qui sont de la réserve pour la cuisine, cave propre, cave sale, etc., avec un accès directement ici sur la zone où l'hélicoptère pose le matériel. Le niveau inférieur encore, où on a juste un petit système de traitement des eaux usées, des WC. Et puis voilà une vue du réfectoire. Donc là, l'idée, c'était vraiment de profiter au maximum de cette vue. Donc c'est des grands éléments de fenêtre fixe avec un petit ventail chaque fois qu'on voit juste là derrière, qui permet quand même de ventiler. Donc l'intérieur est entièrement en bois, c'est des panneaux de multipli en pin. Donc construction assez simple. Voilà, et voilà, qui garde un peu ce côté assez traditionnel, un peu chaleureux des cabanes de montagne. Ça, c'est une image des dortoirs. Donc on voit que c'est assez rationnel, quoi. Il y a juste un petit espace de vestiaire ici, puis ensuite, voilà, les lits superposés. Ça, c'est le couloir de distribution des dortoirs. Donc là, on ne pouvait pas le faire en bois parce qu'on devait avoir un chemin de fuite qui était incombustible. Et puis, voilà, on a décidé de le peindre en vert suite à la discussion avec la gardienne qui se plaignait de ne pas avoir de végétation de vert pendant toute l'année. Donc, on lui a fait un peu de vert. Ça, c'est la façade sud. Donc, c'est la façade qui fonctionne comme un grand capteur solaire. C'est cette façade qui était pour nous un peu la façade exceptionnelle, qui est un peu en prolongation de la falaise. Donc là, on a des grandes ouvertures pour essayer de récupérer un maximum de gains solaires passifs, donc dans le réfectoire. Et puis le reste de la façade, c'est des panneaux photovoltaïques qui ont été dessinés sur mesure pour s'adapter à l'espace disponible. Et puis qui fournit, on a à peu près 100 mètres carrés de panneaux solaires qui fournit en grande partie l'électricité pour la cabane. Donc on voit là cette façade. Donc on voit l'arête qui est vraiment ici, l'ancienne cabane qui se trouvait là, et puis l'entrée qui se trouve ici. Les autres façades ont plutôt des tout petites ouvertures. L'idée, c'était que si au sud, on peut profiter de gains solaires sur les autres façades, c'est plutôt des pertes thermiques qu'on a avec les fenêtres. Donc on a vraiment fait des tout petites ouvertures qui permettent juste d'amener de la lumière et de ventiler, mais avec des dimensions qui sont très modestes. Et puis on a... alors la façade, c'est une tôle en inox. Qui a un effet un peu réfléchissant comme ça. L'idée, c'était on trouve qu'on est dans un environnement qui est avec des lumières ou de l'enneigement ou pas, qui change beaucoup. Donc, en fait, on essayait avec ce côté un peu réfléchissant du métal d'intégrer un petit peu la cabane dans son environnement. Ça, c'était une raison. L'autre raison, c'est qu'on essaye de récupérer l'eau de pluie de la toiture pour la consommer. Donc, on était obligé d'avoir un matériau. Neutre chimiquement, et l'inox se prêtait bien à ça. Donc on voit en gros plan cette tôle avec finalement ces effets de reflet qui l'intègrent un petit peu dans le contexte. Voilà, donc là on est face à un peu la vue quand on arrive à pied. On a ici la partie de livraison, enfin la zone où l'hélicoptère pose le matériel, c'est ici. Et puis on se retrouve ici. Là on a à peu près 4 niveaux de ce côté, puis de l'autre côté on a 2 niveaux du côté de l'entrée. Donc voilà la façade de l'entrée. L'entrée qui se trouve ici, ça c'est le réfectoire. Donc là, on voit aussi la couleur changeante de la tôle selon la lumière.
Voilà, le projet suivant, c'est la transformation d'une maison en vieille ville de Sion. Donc ça, c'est un projet qu'on a commencé en 2016 et qu'on a terminé en 2018. Donc ça, c'est un plan de situation. On voit que la maison se situe au centre d'un îlot. Donc c'est un îlot assez densément construit en vieille ville de Sion. Et cette construction était, on ne sait pas très bien ce que c'était à l'origine, c'était probablement une dépendance d'une maison qui se trouvait en périphérie. La dernière affectation connue, c'était une cave de production de vin qui a dû probablement être arrêtée dans les années 70. Donc c'était cet état-là avant qu'on intervienne. C'est quand même des bâtiments qui étaient très anciens. On n'avait pas l'autorisation d'augmenter, de modifier le volume. On n'avait pas l'autorisation de toucher les murs de façade non plus. Donc en fait, on a décidé de créer faire un percement dans cette toiture, créer un patio qui deviendrait le nouveau cœur de cette bâtisse. On ne savait pas très bien, d'ailleurs, le client, quand il est venu au départ, il ne savait pas très bien ce qu'il pouvait faire avec, si c'était possible d'habiter là ou qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Donc on voit bien ici, donc la façade est idem l'existant. Et puis on a cette grande ouverture ici qui a été créée. Et puis on a essayé ce patio a été végétalisé. L'idée, c'est de créer un petit oasis de végétation au cœur de la maison, parce qu'on a un environnement qui est vraiment très très bâti et très minéral. Voilà, on voit ici la vue de ce petit jardin. On a aussi essayé de tenir en retrait ce jardin par rapport aux façades. Donc on voit ici une barrière. Là, à l'arrière, on a un vide qui permet d'amener de la lumière encore au niveau inférieur. On a la même chose au premier plan ici. Et puis, on a notamment planté un arbre en pleine terre, donc au niveau inférieur. Et puis, l'idée, c'est qu'il prenne un peu d'ampleur ces prochaines années encore là autour. Donc, on voit là une coupe sur ce bâtiment où on voit ce jardin qui est à ce niveau-là. On crée finalement un nouvel étage de référence au premier étage où on a ce jardin, l'espace jour qui se situe au niveau de ce jardin. L'étage supérieur, on a les chambres des enfants. Et puis au niveau inférieur, on a plutôt ici c'est le garage, atelier et puis quelques locaux un peu secondaires avec l'entrée qui se fait ici par l'ancienne porte de la cave. Voilà une coupe sous cette grande toiture. Donc en fait, on a refait cette grande toiture à l'identique. Et puis on se retrouve ici avec un espace généreux qui est continu finalement de l'entrée au séjour à l'espace jeu pour les enfants. Un plan de la toiture vu du haut avec le percement du patio. C'est le deuxième étage, donc l'étage des enfants, où on a deux chambres, une petite salle de bain, un espace jeu, et le tout, finalement, est ouvert sur le patio. Le premier étage, donc, qui est l'étage principal, avec ce jardin. Le séjour ici, cuisine, repas, et la chambre des parents qui se situe ici. Donc tout ça, c'est entièrement vitré, de nouveau ouvert sur le jardin, avec des grands éléments coulissants ici qui peuvent s'ouvrir en été. La chambre, elle a un accès privé à sa salle de bain et son dressing qui se situe au niveau inférieur. Et puis ici, on voit l'escalier d'accès. Donc on a l'entrée qui est ici au niveau inférieur et l'escalier qui monte là. Si on voit l'étage du rez-de-chaussée, donc on rentre par cette ancienne porte de la cave,
On a ici un atelier garage accessible ici par cette grande porte. Et l'entrée de la maison se fait par cette porte ici. Espace d'entrée ici qui est ouvert jusqu'à la toiture. Et puis ensuite, on monte par là. Ici, on a une chambre indépendante. Et puis ici, le dressing salle de bain des parents. Et ici, une cave. Donc on voit voilà, cet espace depuis le séjour, donc cette fenêtre ouverte sur le jardin. Donc pour nous, l'idée, c'était vraiment de... Enfin, ce jardin, c'est vraiment l'élément important du projet. Et puis, on a traité les matérialités de l'habitation de manière très, très simple, abstraite. Donc on a une résine blanche au sol, un mur blanc. On a juste quelques éléments en béton qui sont restés apparents, mais c'est quand même une recherche un peu d'abstraction pour finalement mettre en valeur le patio. Donc on voit ici le séjour qui est dirigé en direction de ce jardin. Et là, donc là, on a une différence de niveau, on a l'entrée qui se situe juste là en dessous. Et là, on a ce séjour qui est sous le toit. Donc ça, c'est la vue dans un sens. Si on prend la vue dans l'autre sens, on a cette double hauteur avec en dessus un petit espace pour le jeu des enfants. Voilà la chambre parent. Toujours avec la vue sur le jardin. Et ici, on voit... Ce petit vide qu'on a laissé pour l'étage inférieur où on a cette salle de bain et finalement quand même pouvoir amener de la lumière au niveau inférieur. Voilà. Voilà, c'est moi qui vais poursuivre avec les trois projets suivants. Donc je vais vous parler du Port français. Finalement, le Port français est un peu le frisson valaisan. C'est un espace que la ville de Sion a décidé d'aménager pour faire des manifestations musicales. Donc, les musiques actuelles, c'est le rock, le hip-hop, le reggae, enfin toute cette musique de jeunes, entre guillemets. Et c'était un projet assez ambitieux de la part de la ville de Sion parce que, bon, ben, comme tous les projets culturels, il n'y avait pas d'argent. Donc, les moyens engagés étaient assez faibles. Et puis, ambitieux parce que la halle à disposition, c'est le bâtiment qui est au fond de cette image. Il faisait 1000 mètres carrés, ce bâtiment. Et puis, avec les moyens qui avait été annoncé, un calcul assez rapide nous permettait d'imaginer que ça allait être très compliqué d'installer tout le programme dans ce bâtiment. Donc en fait, on a réfléchi pour élaborer un concept qui permettrait d'installer ce programme dans le bâtiment avec les moyens à disposition. Puis finalement, on s'est dit qu'on allait réduire au maximum les surfaces habitées, chauffées, au strict minimum, et puis structurer l'espace avec des modules, en l'occurrence des conteneurs maritimes. Et puis, ça nous permettrait et de réduire les surfaces chauffées et de gérer l'espace avec ces, entre guillemets, meubles qu'on a disposés à l'intérieur de la halle et qui nous génèrent des sous-espaces qui permettent de créer les séquences d'entrée, le bar, la salle de spectacle, etc. etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau du programme, c'était assez exigeant parce qu'en plus de la salle de concert et de tous ces programmes d'accueil du public qui vont avec, évidemment qu'il y avait encore aussi toute une partie de locaux qui était souhaitée pour accueillir des groupes régionaux, des locaux de répétition, pour pouvoir faire des locations au mois ou à l'année, puis aussi accueillir des artistes en résidence, etc., etc., des ateliers de musique ou de réparation d'instruments. Donc c'était assez ambitieux et quand même assez compliqué à mettre en place. Ici, vous avez le plan du rez-de-chaussée qui en fait
contient sur sa partie gauche tout le programme public et salle de spectacle, avec alors dans sa partie qui ressort en façade ici le dispositif de la séquence d'entrée qui contient le vestiaire, la billetterie et l'administration, la partie bar qui était installée dans l'angle de la halle ici. Ensuite, on se dirigeait en direction de la salle qui a une capacité de 600 places, qui n'est vraiment pas quelque chose de une jauge incroyable. Pour comparaison, c'est à peu près la moitié du frisson. Donc vraiment, c'était des dimensions assez modestes. Et puis une scène de 80 mètres carrés. Sur la partie de droite du plan, on distingue qu'on a travaillé pour réunir certains containers pour mettre à disposition des salles de musique ou de répétition qui ont une taille entre 25 et 40 mètres carrés. Le choix du container, il était intéressant dans ce projet parce que finalement, grâce à lui, on a pu résoudre tout un certain nombre de problèmes avec peu de moyens. Déjà, premièrement, le container, il est intéressant parce que d'un point de vue de la résistance, je pense que c'est assez difficile de faire plus résistant aux déprédations qu'une caisse tout en métal comme celui-ci. Après, grâce à ça, on a pu aussi installer... Alors là, vous avez le schéma du concept chauffage qui finalement exprime l'idée de dire on va isoler et chauffer exclusivement les espaces qui sont abrités par les containers. Donc on voit l'enveloppe thermique qui est sur le détail à gauche. Et puis le reste de la halle, elle est tempérée par les déperditions des containers, par le transfert d'air aussi lié à la ventilation double flux qu'on a installée dans ce bâtiment. Donc il fait 20 degrés dans les containers pour faire des répétitions de musique, de l'administration et ses activités de ce type. Puis à l'extérieur, il fait 15 degrés. Ce qui n'est pas un problème pour tout ce qui est mise en place ou disons, préparation des concerts avec les soundcheck et toutes ces choses-là, sachant qu'après, à partir du moment où on met en place l'éclairage et le light et qu'on accueille plus de 100 personnes, il faut plus beaucoup de temps pour que la température arrive à 18 ou 20 degrés. Donc... Ça fait partie aussi de cette idée forte qu'on a développée dès le départ de minimiser les moyens de mis en place en utilisant les containers. Donc de réduire l'intervention sur le bâtiment. Le reste du bâtiment, il est resté à disposition pour les espaces des spectateurs, de bars et autres, de circulation, et les espaces habités étaient réduits au strict minimum. L'autre élément qu'il a fallu faire aussi au niveau du concept, c'est de faire des modifications de containers avant de les mettre en place. Donc ici, une image du chantier. Il a fallu enlever des parties de containers pour pouvoir les assembler pour faire qu'un seul grand local. Il a fallu aussi les équiper de portes ou de grandes ouvertures comme celle-là pour pouvoir installer des fenêtres et amener de la lumière dans ces locaux de répétition. Des renforts également et ont été mis en place. C'est une autre vue aussi du travail important. Donc finalement, dans cette notion d'idée qu'on conserve et qu'on met en œuvre tout du long du processus du projet, y compris dans le chantier, on voit que c'est important pour nous de nous impliquer, y compris pour des tâches fastidieuse comme le chantier, parce que là on voit qu'il y a tout un process de mise en place du container. Donc la halle, elle était quand même entre deux travées assez réduite pour accueillir deux rangées de containers. Donc il y a tout un processus de mise en place, de découpe, d'assemblage de pièces qui évite que la propagation du bruit se fasse d'un container à l'autre. Donc
On voit que avoir une idée forte au départ, c'est bien, mais pour la tenir sur la distance, ben, il faut intervenir à tous les niveaux du projet. Y compris dans. Alors, ça, c'est pour l'anecdote, on a mis en place 50 containers dans ce projet. Évidemment qu'on n'a pas eu de maîtrise du tout sur l'acheminement de ces containers qui venaient de Anvers et autres ports des quatre coins de l'Europe. Et on s'est finalement retrouvé à se faire livrer des containers de toutes sortes. Donc, on voulait des containers usagés pour qu'ils puissent participer à l'ambiance du lieu, qu'ils puissent raconter une petite histoire par rapport à leur vécu, qu'ils fassent un peu écho au programme qui allait être installé dans ces containers, c'est-à-dire cette notion du voyage avec le fait que la musique permettent de s'évader. Donc, on a demandé des conteneurs qui avaient. Ça s'appelle dernier voyage, c'est-à-dire des conteneurs qui sont plus utiles pour le transport enfin pour l'acheminement des objets d'un point de vue maritime, mais qui sont encore tout à fait fonctionnels. Mais c'est vrai qu'ils étaient dépareillés, bosselés, cassés pour certains. Et surtout, là, l'illustration permet de mettre en lumière le fait qu'on a été jusqu'au bout, on a tenté d'aller jusqu'au bout dans la mise en œuvre des couleurs avec la partie publique, qui est cette partie avec des tonalités plutôt dans les couleurs rouges et chaudes, avec une tentative de dégradé qui va de l'espace bar jusqu'à l'espace scène. Et puis à l'opposé, en revanche, bah, les couleurs un peu moins sexy, froides, des bleus et des verts pour les locaux de répétition. Donc on a tiré jusqu'au bout cette idée de double programme et d'utilisation du langage du conteneur pour le bien du programme. Là, vous avez une vue qui se situe côté salle de répétition avec deux étages de locaux de répétition et puis un vide autour duquel sont installés, enfin générés par les containers de locaux de répétition. C'était un peu le foyer des artistes qui a un peu double fonction. La première, la semaine, il est utilisé par les gens qui font des pauses entre les répétitions, puisque juste à côté, il y a un espace de cafétéria. Et puis en week-end, en fin de semaine, quand les groupes sont prêts à entrer en scène ou sortent de scène, c'est un peu l'espace restauration où les groupes se croisent entre deux représentations. Complètement à l'opposé du concept de l'image du container usagé qui donne du caractère à l'espace public, l'intérieur des salles de répétition. C'est une ambiance neutre. Là, c'est les groupes qui vont s'approprier l'espace, venir avec leurs meubles, leurs instruments et créer leur monde. Ici, on est dans un usage exclusivement pratique de l'espace, avec un doublage qui permet d'isoler thermiquement, de faire de l'absorption du bruit au plafond, de gérer aussi les contraintes du feu, parce que évidemment le feu dans ce bâtiment, avec un grand nombre d'utilisateurs, c'était pas gagné d'avance. Donc on a essayé de concentrer toutes les problématiques à l'intérieur du conteneur, le feu, la thermique et le bruit. L'utilisation du conteneur aussi pour générer un espace de bar. Donc là, on est dans la partie qui se situe à droite. Pour rappel, c'est donc le vestiaire et la billetterie. Donc la séquence d'entrée, elle est rythmée par le passage d'un espace à l'autre généré par la position de ces containers. Le bar à 360 degrés qui est confectionné à l'aide d'un container qu'on a découpé, dont on a suspendu le toit et qui est équipé d'une platine pour les clients en inox posée sur la découpe horizontale du container. Le parcours en direction de la scène,
avec à droite, vous voyez le vestiaire, à gauche, ce mur de conteneurs qui fait la séparation de ces deux parties du programme, et puis les tonalités des conteneurs à caractère un peu chaude. Et puis la dernière vue de ce projet, c'est la salle de spectateurs avec une proportion assez intéressante parce que grâce à ces proportions en carré, on a une vue on a une proximité assez surprenante avec les groupes qui se produisent sur scène. Donc voilà, vous avez cette vue qui illustre ce rapport intime avec les musiciens. Projet suivant, il s'agit d'une maison. C'est une maison qu'on a transformée. C'est un bâtiment rural qui date du 20e à peu près. Donc ce bâtiment, c'est un témoin de la transhumance, c'est-à-dire de ces périodes de l'année où les gens montaient à l'alpage avec le bétail pour passer l'été dans cette partie des vallées. Donc c'est un bâtiment qui a une typologie assez classique avec son soubassement en pierre pour le rapport avec le sol, avec sa partie arrière également en pierre à l'intérieur duquel se trouvait le foyer, donc le feu, d'où l'utilisation de la pierre. Et puis pour sa partie en aval du bâtiment, on a un madrier de mélèze qui abritait l'habitation. Donc notre concept, c'est de mettre en valeur cette juxtaposition de ces deux matières, c'est-à-dire le soubassement et puis la pièce de madrier qui avait une particularité, c'est qu'elle est... séparé en deux parties ici, vous voyez donc cette paroi centrale. Et puis on a profité de cette situation pour créer un vide qui nous donne une relation particulière pour cette habitation de vacances, une relation assez particulière avec le terrain grâce à la finesse de l'insertion dans le site de ce bâtiment. Au niveau du programme, donc vous avez la partie arrière ici qui est occupé par des locaux de service, c'est-à-dire la cuisine, les WC de jour. Dans la partie en madrier, en aval, vous avez le séjour. Et puis dans la partie centrale ici, qui a été traitée avec une grande transparence et puis une traversance, la salle à manger. La partie supérieure avec une double hauteur sur la salle à manger, une mezzanine ici, qui permet de créer un dortoir avec quelques places de couchage et puis un dépôt pour le matériel extérieur accessible depuis l'extérieur au-dessus de la cuisine. Et l'espace du ré inférieur avec une chambre disposée en façade et puis une salle de bain, des locaux techniques à l'arrière dans une partie nouvellement construite ici. Donc là, l'idée de base, le concept d'espace traversant qui permet d'avoir comme ça un passage au milieu du bâtiment, le travail de la fenêtre, de cette grande façade, de cette façade coulissante, donc en gros c'est un Vitroxa grand format en deux pièces qui vient se loger dans un espace entre le doublage intérieur et la façade, et puis aussi des volets en bois qui permettent, vous verrez après sur les images, de restituer l'image d'origine du bâtiment. Donc ici une image dans sa situation inoccupée, le bâtiment retrouve l'entièreté de sa matière, y compris pour la partie arrière ici qui est traversante, lorsqu'on découvre, c'est-à-dire quand on rentre ou quand on déplace les volets, on retrouve la partie vitrée à l'arrière.
Donc, il y a aussi tout un travail des ouvertures qui sont situées dans le madrier. Donc, ces ouvertures, elles sont assez minimalistes. Elles font une pièce de bois de hauteur, environ entre 15 et 20 cm. Et elles sont un peu placées de manière stratégique pour pouvoir cadrer le paysage qui sont vis-à-vis de ces ouvertures. Donc, la vue, une vue générale du bâtiment. Donc, on voit bien la finesse, ou disons la courbe de niveau qui est continue au travers du bâtiment grâce à cette grande proximité avec le terrain de cette partie centrale qu'on a voulu magnifier et mettre en valeur avec notre concept. La matérialité qui est continue pour la partie minérale et puis qui est continue en bois pour la partie végétale en avant. Donc une vue aussi de l'intérieur de cet espace traversant en double hauteur qui se situe justement dans cet interstice entre la partie pierre et la partie bois. Petite échelle d'accès à la mezzanine dortoir et puis le séjour sur la gauche un peu plus dans un monde boisé alors que la cuisine sur la droite vous la distinguez dans un écrin plutôt minéral. On voit bien aussi là on a voulu donner accès, enfin on n'a pas construit de terrasse d'espace extérieur à proprement parler, c'est littéralement cette salle à manger qui se prolonge en direction du sapin que vous voyez au fond là, qui est finalement le pâturage c'est le pâturage qui fait office de terrasse dans ce projet. Là, une vue en direction du séjour et puis on distingue à l'arrière les fenêtres judicieusement placées sur les points de vue du paysage. Là, vous avez l'accès à l'étage inférieur depuis le séjour. Et puis une dernière vue sur la mezzanine et l'espace dortoir éclairé par un Velux. Voilà, le dernier projet que je vais vous présenter, c'est un bâtiment qu'on a réalisé en 2017 et 2018. Ce bâtiment, c'est le bâtiment qui abrite nos bureaux. Donc, ce qui s'est passé dans l'historique de ce projet, c'est qu'en 2014, on s'est retrouvé sans bail, sans locaux pour nos bureaux suite à des projets qui ont été développés à l'endroit où on était locataire. Donc, on a décidé de construire notre propre bureau. On a trouvé un terrain qui était installé, qui était idéalement placé pour nous, à proximité de la gare, avec tout ce qui correspondait à ce qu'on recherchait. Donc, le terrain, c'est la parcelle, c'est cette surface qui abrite le bâtiment. Bon, après, c'est clair qu'on a aussi eu des. On s'est dit qu'on était dans une situation qui était idéalement placée par rapport à la ville, mais dans un contexte artisanal et industriel assez important. À côté, on avait un garage pour voitures, un vendeur de peinture, une grande quincaillerie. Enfin, on avait un contexte qui était assez spécial. Mais ce qui nous a plu, c'était le fait qu'on soit à l'intérieur d'un verger et que ce potager, ce verger qui était abrité par cette parcelle, ça nous a assez bien plu pour installer nos bureaux. À tel point que on a été jusqu'au bout de l'idée de récupérer la végétation, les plantations qu'il y avait sur le site et de les disposer sur les différents étages qu'on allait construire pour ce bâtiment et bénéficier d'un premier écran de végétation
qui nous masquerait un peu ce contexte industriel et artisanal, et puis qui ferait une ambiance assez, assez particulière pour les espaces de travail. Concrètement, ça se matérialise par une surface qui est donnée par les limites de la parcelle, finalement, puisqu'on a été jusqu'au bout de la surface constructible. Et puis, c'est un grand espace. Chaque étage constitué d'un grand espace vide qui fait 250 mètres carrés. Une circulation verticale, escalier, ascenseur, positionné au centre avec aussi les services, les WC. Et puis, tout autour, une façade entièrement vitrée du sol au plafond qui rayonne sur les quatre façades. Et puis, côté nord, qui est sur le haut du plan, on est sur l'alignement et en limite de parcelle. Sur les autres façades, côté est, ouest et sud, on a créé un porte-à-faux avec les planchers pour pouvoir, faire une protection solaire pour éviter la surchauffe de ces façades entièrement vitrées. De deux, disposer de la végétation, puisque ces coursives, elles ne sont pas accessibles. De trois, vous verrez par un jeu de double hauteur créer des terrasses et des vides entre les utilisateurs. Donc, on a quatre niveaux habitables. Le rez-de-chaussée actuellement occupé par un atelier d'informatique. Au premier étage, des bureaux. Au deuxième, un cabinet médical. Et puis au troisième, sont installés nos bureaux. Là, vous avez une vue sur l'espace d'entrée. L'accueil, donc le rez-de-chaussée, ça constitue, grâce à ces porte-à-faux de 4 mètres, on a pu installer le dispositif d'entrée. On a un espace aussi pour stationnement des vélos. On voit qu'aux étages, on a des terrasses avec des doubles hauteurs, et puis vous pouvez voir aussi ce jeu d'installation de végétation qui permet d'installer soit des plantes de taille moyenne taille, voire carrément des arbres. Donc, dans cette idée aussi de concept de végétalisation de la façade et de mise en place de plantes sur ces coursives, on a voulu aller également jusqu'au bout en installant, en travaillant avec un fabricant Eternit pour développer nos propres pots de fleurs. Donc, on voit qu'on a fait différentes tailles, on a essayé de reproduire un peu une forme qui nous rappelait ce sac qui nous a permis de récupérer la plantation du jardin existant. Et puis, ces éléments de bac à fleurs, ouais, je m'attendais à trouver une autre image. Voilà, ces éléments qu'on a développés avec Eternit, en fait, c'est devenu un peu l'image de marque de notre bâtiment qui nous a permis d'installer cette végétation. Et puis, ce qui est assez drôle, c'est que finalement, Eternit nous a proposé ensuite de garder ce modèle pour son catalogue. D'ailleurs, maintenant, on trouve dans leur catalogue le pot qui a été développé pour notre bâtiment. L'escalier intérieur, comme on est au centre du plan, évidemment, c'est compliqué d'amener de la lumière naturelle dans cet espace. Donc, on a installé une verrière sur la toiture. Donc, il est assez largement baigné de lumière zénitale, cet espace. Et pour encore accentuer ou bénéficier ou faire descendre cette lumière profondément dans le bâtiment, on a matérialisé l'escalier avec une tôle de métal perforée. Donc là, vous avez une vue de l'intérieur de l'escalier avec cette lumière qui descend au travers des étages. Et pour terminer et illustrer ce concept, je propose de parcourir donc notre espace de travail avec au centre, vous voyez le noyau de circulation.
Et puis, cette grande surface rayonnante à 360 degrés, bah, cette surface, elle est jalonnée de boîtes de métal qui abritent les salles de conférence et puis une petite reprographie ici au bas du plan. Ça nous permet de isoler les personnes qui veulent se réunir ou bien faire du bruit. Et puis, ça génère aussi trois espaces intéressants d'open space avec trois groupes de travail différents. Donc ça, c'est une vue qui ne devrait pas être là, mais voilà. C'est une vue extérieure du bâtiment avec les différents espaces transparents, la végétation. Et puis, la vue des espaces intérieurs avec ces différentes boîtes de métal de... des métal avec une qui sont brutes du bleu de laminage, donc c'est des tôles qui sont laminées et qui sont restées brutes, qui font l'habillage de ces boîtes qui contiennent les salles de conférence. Puis ça s'en est un, et ça c'est un autre espace de travail qui est séparé par ces boîtes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié notre présentation. Je pense que vous allez pouvoir poser des questions. Alors oui, est-ce que y a des questions parmi les étudiants ? C'est les étudiants. Pas de questions ? Oui, je t'amène le micro. Je voulais juste savoir à quel point, pour la transformation du Mayen, à quel point vous avez eu besoin de démonter pendant le chantier le Mayen existant ? Où est-ce qu'il a été conservé comme ça ? Je ne sais plus. On en a tellement fait que... non, je dirais que celui-là, on a eu la chance de pouvoir le laisser en place pendant la construction. Par contre, c'est vrai qu'on voit d'ailleurs sur les images, et vous l'aurez remarqué, il y a la toiture qui est entièrement refaite, quoi. Donc... la toiture est neuve et les madriers ont été maintenus et n'ont pas eu besoin d'être démontés. Il y a une autre question. Ouais, c'est bon. Bonjour. Donc, pour ma part, j'ai juste une question pour Port-Franc. J'étais intrigué à savoir comment vous avez réglé l'acoustique. Je ne sais pas si on en a parlé, mais vu que c'est des conteneurs en métal dans une salle, comment est-ce que vous l'avez fait pour le faire ? Oui, alors bon, j'ai parlé à l'intérieur des salles de répétition, c'est-à-dire celles qui sont abritées par les conteneurs. Là, c'est clair, il y a un doublage en plâtre et puis le plafond il est absorbant et les parois sont isolantes, phoniques. À l'intérieur de la halle, on a tout le plafond de la halle qui a été recouvert d'isolant absorbant pour réduire le temps de réverbération. Et puis, il y a eu quelques touches d'absorbant phonique, notamment vis-à-vis de la scène, sur une vieille porte de la halle. Elle a été entièrement revêtue d'absorbant phonique, avec quelques touches subtiles sur des toits de quelques containers qui font qu'un niveau pour agrémenter un peu comme ça l'espace d'absorbant. Après, les containers, ils sont relativement rigides, donc ce ne sont pas des containers qui vibrent avec la musique. Donc il n'y a pas cet effet-là. Et en plus, on a eu une attention assez particulière au niveau des assemblages. Donc chaque container sont posés sur des pièces antivibratiles, fixées entre elles avec des tiges également qui empêchent la propagation des sons et des vibrations. Donc, d'après les ingénieurs du son qu'on a eu, elle a quand même la capacité d'être jugée comme une salle assez bonne. Il y a aussi le toit de la scène qui a été recouvert d'absorbant. C'est clair que c'est un thème, hein. Faire de la musique rock ou même électronique dans un bâtiment comme ça, si on n'a pas
les bons absorbants aux bons endroits, on aurait une caisse qui serait impossible à utiliser. En l'occurrence, là, avec un ingénieur en acoustique, les ingénieurs du son, on a pu vraiment travailler et disposer les bons absorbants aux bons endroits, ce qui fait qu'elle est finalement jugée comme vraiment acceptable, voire même assez bonne comme salle. Alors, en premier lieu, j'aimerais vous remercier pour ce voyage valaisan que vous nous avez offert et qui a permis en fait de nous offrir un panel des différents environnements de ce canton, donc de la ville, centre-ville, de zone industrielle, jusqu'au pâturage et la haute montagne. Et c'est intéressant de voir justement pour toutes ces différentes situations en fait les réponses que vous avez apportées aussi. Par rapport à ces différents contextes. Ma question, on va dire que vos interventions sont toujours quand même très franches, hein. Il y a cette idée justement d'idée unique et qui est très, très forte. Et je voulais savoir en fait quelles étaient les différentes réactions que vous avez pu avoir. Bon, on sait que le Valais est un canton en général assez ouvert à ce genre d'intervention, peut-être plus que d'autres. On va dire cantons qui sont plus urbains. Mais est-ce que vous avez eu des réactions assez fortes en fait par rapport à vos constructions? Bon, c'est une vraie question assez piège finalement, parce que vous partez du postulat de départ que c'est un canton plus ouvert que d'autres. Moi, je peux pas dire, parce que finalement, on voit aussi qu'on vous a présenté des projets qui sont exclusivement valaisano-valaisan. Donc, on voit bien qu'on a un rayon d'action et d'intervention qui est assez limité au canton. On est en train de construire quelques projets ailleurs, dans d'autres cantons. Moi, je crois pas que déjà c'est une spécificité valaisanne d'être ouvert ou pas. Je pense que les projets, tels que nous on les conçoit, on a une idée assez précise de là où on veut arriver avec notre projet, ce qui fait que c'est un peu la construction du projet qui nous amène à pouvoir, entre guillemets, séduire ou endormir les maîtres d'ouvrage. Non, je crois que c'est une question de conviction, et on n'a jamais tellement. Je sais pas, je pense qu'on fait peur, on n'a jamais eu à essuyer des remarques particulières par rapport à nos interventions et nos idées. Je crois vraiment que c'est une question de conviction et de cœur à l'ouvrage qui nous a permis d'être toujours assez convaincants dans les interventions qu'on proposait. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Et puis peut-être pour conclure, une question que j'ai aussi posée au bureau Fournier-Macagnan. Vu que vous êtes issu de cette école, ça m'intéressait de savoir qu'est-ce qui vous poursuit en fait depuis vos études, et qu'est-ce que vous retenez de vos années d'études ici à la HEIFR. Je sais pas si. Tout. Alors, j'ai, enfin, je sais pas, j'y ai pas pensé, je me suis pas préparé à ça, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que bon, habituellement, on a pour habitude de faire une présentation assez factuelle de nos projets. Là, on s'est risqué un peu à thématiser avec notre titre, une idée unique et pérenne, parce qu'on s'est rendu compte qu'on allait s'adresser à des étudiants. Et puis pour essayer de faire passer un message, celui que je viens d'ailleurs de souligner en disant que je crois que c'est une question de conviction, l'architecture, il faut s'engager, il faut y croire. Moi, ce que j'ai appris pour ma part, après peut-être Laurent voudra compléter, je crois qu'on a appris à apprendre, on a surtout appris qu'on n'a jamais fini, qu'il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier, et que oui, c'est un vrai conseil, c'est de pas s'endormir sur ses lauriers et croire que parce qu'on a fait des études, on est meilleur que ceux qui n'en ont pas fait. Je pense, en plus, on voit qu'on est issu d'un monde de la pratique, qu'on a fait un apprentissage. On voit aussi que nos projets, c'est des projets qui sont
proche du détail, dans un souci de construction. Voilà, on a même parlé de chantier. Enfin, c'est des choses pour lesquelles on s'implique. Donc oui, on a appris qu'il fallait toujours continuer, que c'était pas une fin en soi. Puis on a appris qu'il fallait continuer à apprendre. Je ne sais pas si Laurent il veut rajouter. Voilà, du coup, je remercie encore une fois Laurent Savio et Claude Fabrizi pour leur présentation. Et je vous rappelle que vous pouvez suivre toutes ces conférences en live, mais aussi en rediffusion. Et voilà, je me réjouis de vous retrouver pour la prochaine conférence. Bonne soirée, au revoir.